Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour un nouvel épisode de Beyond Earth. Alors que j'étais en train de passer quelques tours depuis la vidéo précédente, il m'est arrivé quelque chose qui ne m'arrive jamais d'habitude. Nous avons gagné un niveau d'affinité en harmonie. Alors que nous ne faisons pas du tout l'harmonie, nous jouons la suprématie. Alors nous n'avons plus de dégâts pour les explorateurs quand ils passent dans les miasmes. Mais pourquoi est-ce qu'on a gagné un niveau d'harmonie, je ne sais pas, parce que on n'a pas fini de recherche, j'ai fini une construction, je sais pas ce que c'est. Ou alors c'est peut-être à force de nettoyer des miasmes, je ne sais pas. Alors, choisir une construction à Vazenta, donc notre ville récente, on va faire un peu de sous. Ici, ah voilà, Archa est enfin devenu une ville. Donc on va commencer par faire la clinique, toujours besoin de santé. Technologie volée, on a réussi à voler la technique de la robotique en essaim. Et c'est peut-être ça, la robotique en essaim, qui nous a donné cette harmonie dont on n'avait pas vraiment besoin. Alors vol de science, vol de technologie, on va voler plutôt de la science. Que de la technologie. Voilà, là on a... Oh, la technologie c'est pas mal aussi, hein, mais si ça nous donne des bonus dont on n'a pas besoin, c'est un peu bizarre. Du coup, juste une chose, j'ai normalement un navire marchand qui peut changer de ville d'origine. Non, il peut pas aller encore à Archa, il faut que je construise un truc à Archa pour qu'il puisse avoir ce navire marchand. Voilà, donc sinon, voilà, comme je vous le disais au tout début, on se retrouve alors que j'ai passé juste deux tours, je crois, depuis la dernière vidéo, histoire d'avancer un peu, mais voilà, c'était la découverte de l'harmonie qui m'avait un peu surpris. Et là, on va reprendre tranquillement notre progression, et là, on a piqué des sous, c'est bien, parce qu'on perd toujours pas mal d'argent à chaque tour. Eux, ils me font un peu peur, ces torpilleurs-là. Ils me font un peu peur. J'espère... Sphère de drone, tiens. Les actions des ouvriers, les expéditions des explorateurs s'effectuent 50% plus vite. C'est pas très utile, ça. On va continuer sur le développement scientifique. Ah mince, j'ai oublié de choisir une mission pour lui. Je peux pas le faire maintenant? Si. Voler des sciences, voilà. Mais je veux voler de la science. Je souhaiterais attirer votre attention sur voilà. Le point. Hop. Merci. Les agents, justement, j'étais en train de m'en occuper. Ok. Ici, on va faire quelque chose. Alors, ah, mon explorateur est arrivé. Je pensais qu'il était mort, mais non. Eh ben, écoutez, les amis, c'est cool, ça va pouvoir explorer un peu. Ça appartient à qui, ça? Ça doit être les Brésiliens, c'est la même couleur. Ouais, c'est les Brésiliens. Faut qu'on négocie un traité de libre passage, ça pourrait être intéressant. Ah, on va faire un peu d'exploration, ça faisait longtemps. Je sais pas s'il reste beaucoup de choses à découvrir en termes d'artefacts, etc. Mais bon. Ça peut toujours être sympa de découvrir. Alors, carrière. Hop. Est-ce qu'on peut rentrer? On peut rentrer. Manoël. Ok, toi t'as fini ici. Tu vas enlever les miasmes. Ici. Toi t'as fini, tu vas construire quelque chose. Un générateur, on a besoin de sous. Toi t'as fini les miasmes. On va faire aussi un générateur. Et toi t'as fini... Ici. Ah oui! Ah, j'ai besoin de Phyraxite en plus. Faut absolument que j'aille l'exploiter cette Phyraxite. On a besoin de Phyraxite pour certaines merveilles. Hein. Alors, usine de clonage, xénopépinière. Bah écoutez, faisons ça, ça va nous donner de la science. Et la science, on en a besoin. Tiens d'ailleurs, ça crée de la science. Eh ouais. Allez. On mise tout sur la science, il nous faut de la suprématie. Je sais pas du tout, je me rends pas compte du tout à quel niveau en sont les autres civilisations. Ça se trouve, on est mal parti. Ça se trouve, on est très bien parti. Je ne saurais pas vous dire. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Ensemble, les amis. Hop.
La dernière fois qu'on avait exploré un petit peu en dehors de notre empire, on s'était fait mais poutrer comme pas possible du fait des extraterrestres. Choisir une construction à Javed Institut. Observatoire. Et non, il nous faut de Phyraxite. D'où l'importance de faire de la Phyraxite. Là, il y en a, mais c'est un peu loin, on pourra pas l'exploiter. Là, qu'est-ce qu'il y a? De la xénomasse, des fibres, la roche. Mais bon, on va pas refaire une autre ville, hein, je pense pas. Je pense qu'on va déjà développer celle qu'on a. Ça, on a besoin absolument. Ah, tiens, ici, je pourrais aller chercher de la silice. Et ça nous donnera de la science en plus. Ah, intéressant. Il faut que je pense à envoyer quelqu'un. Et là, j'ai de la fibre qui n'est pas exploitée. Donc c'est pareil, il faut le faire. Ah, alors, torpilleurs, ils sont forts. Hein. Faut absolument qu'on reste en bon terme avec l'Union africaine. Hein. Parce que sinon, on est mal. Tiens, d'ailleurs, ils ont créé une ville ici. Ah, ils ont créé une ville. D'accord. Bien sûr, le Cool. consensus est inintéressant. Une Alors, grande platitude. projet précog. Toutefois, la plupart des idées. Ça, c'est Quelle bien. merveille de pouvoir parler à la machine. Quatre sources de phyraxite gratuites. Cool. Et on va pouvoir améliorer nos unités. Génial. Donc, centre de commandement. Éclipse de. Alors, voilà. Là, on peut faire des merveilles parce qu'on a plus de phyraxite. Une science tous les trois citoyens dans cette ville. On va pas le faire ici. De toute façon, c'est trop long ici. Projet précog. Les unités militaires peuvent atteindre deux niveaux de vétérans supplémentaires. Ça, on va le faire. Ça, c'est bien. Amélioration disponible. Alors, on va avoir à la place de nos blindés des prophètes. Qu'est-ce qu'on leur donne comme bonus? Plus 30% des unités blessées ou 20% sur une cage adjacente à une unité alliée. On va plutôt prendre les unités blessées. Et là, on n'a rien à augmenter, donc la prochaine fois, nos dards deviendront des messagers. Ok. Et alors, au niveau des. Pendant qu'on y est, des navires armés, eux, ils ont ça. Ils ont des torpilleurs, donc ils font la pureté. D'accord. D'accord. Ouais. Choisir une technologie. Alors, protogénétique, c'est 12 seulement. On va faire ça. Ah oui, mais j'ai pas la transgénèse. Deux emplacements de spécialistes, santé plus 3. Ouais, c'est cool ça. Très bien, on fait ça. On fait ça. Unité en attente d'ordre. Toi, bah t'enlèves le miasme. Je vois même pas pourquoi tu me demandes. J'ai cru voir une unité extraterrestre. Toi, du coup, pendant que j'y pense, on va aller te faire exploiter le. Ça là, pour avoir plus de science. Alors. Oh! Un agent secret de l'arc a été tué! Carrément! Ah, on en a tué un! Oh la vache! Effectivement. Effectivement. Alors. Non, je voulais. Non, je me suis trompé, je voulais pas passer le tour. Eh ouais! Je veux bien passer l'éponge. Alors attends. Hop, on quitte la vue satellite. J'aurais pas dû passer le tour, je voulais cliquer sur la ville et j'ai cliqué sur j'ai cliqué sur le set, la vue satellite. Alors, le Brésil. Il m'offre ça. Et en échange de l'aéroche. Ok. Je peux gérer ma ville, s'il vous plaît. Alors. Là, je suis pas à Archa, je suis. Non, il veut pas me laisser gérer ma ville. Voilà, je suis à Mandira. Ok. Je veux faire de la production. Je vais modifier la construction. Je vais faire ça. Cynosure. 40 tours. T'es sérieux? 40 tours. C'est long, hein? C'est très très long. Loup scarabée. Je sais pas si je fais bien de rester à côté. Alors, toi. Ah, il m'envoie du pétrole. Compte de la phyraxite. Allez, j'accepte.
Parce que j'ai pas de pétrole, moi. Je sais même pas où ça se... Où ça se fait, le pétrole. Et là, comme ça, j'en ai 10. Non, titane, 10. Pétrole, je vois pas. 0. Ça sera au prochain tour, je pense. Faut que je vois où est-ce que l'arc obtient du pétrole. Excusez-moi, j'ai une information importante à vous communiquer. Alors... toi... Santé, un petit peu. Alors, le pétrole. Je voulais chercher le pétrole. Où est-ce que l'arc produit du pétrole? Or, xénomasse, algues. On avait déjà cherché, il me semble, et on n'avait pas trouvé. Pourtant, ils produisent masse de pétrole. Je comprends pas. Alors, unité commerciale. Est-ce que c'est Archa qui peut faire du commerce, peut-être? Notre unité, là. Notre navire marchand. Changer la ville. Archa, non, je peux toujours pas. Vous devez construire un entrepôt de marchandises dans cette ville. Je peux peut-être en acheter un, et les copains. On a plein de sous, là. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Acheter. Et ça coûte rien. Clinique, crypto pépinière. Ça coûte rien du tout. Alors, entrepôt, c'est où? Non? Bah, c'est auto-usine? Oh, ça coûte un peu plus cher. Je retourne à la carte. On va voir si je peux le faire maintenant. De toute façon, l'auto-usine, c'est pas... Donc, changer la ville, non. Un entrepôt de marchandises. Pourquoi je peux pas le faire, l'entrepôt de marchandises? Je l'ai pas vu dans la liste. Vous l'avez vu, vous? Alors, c'est pas une unité. Barrière ultrasonique, perso, centre d'info, centre de commandement, centre de réparation complexe, institut, réacteur, relique, réseau, vivarium. Je comprends pas. Alors... Choisir une construction. Peut-être qu'on peut pas... On peut peut-être pas l'acheter. On est peut-être obligé de le construire. Entrepôt. Voilà. On peut pas l'acheter, donc. C'est bon à savoir. Allez, on le fait tout de suite parce qu'on va pouvoir faire du commerce comme ça. Ici, il n'y a pas d'aéroche. C'est dommage. Silice, de phyraxite, je veux dire. Il y a de l'aéroche, mais il n'y a pas de phyraxite. Bon, par contre, on perd beaucoup d'argent tous les tours. Là, moins 62, ça commence à faire beaucoup. Je sais pas comment c'est possible qu'on perde tant d'argent. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'unités en augmentation. Est-ce que c'est parce que je fais trop d'aménagement de cases? Peut-être. Ça a toujours été ma polémique de faire le plus possible d'aménagement de cases. Oula, il y a du monde. Mais c'est peut-être pas une bonne idée. La colonie abandonnée sera remplacée. Ça fait quelque chose, la colonie abandonnée? Non, ça fait rien. Eh ouais. On rase. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, générateur aussi, on a besoin de sous. Choisir usine de xénocarburant. Ouais. Ah, une valeur, ça c'est chouette. Donc là, on va gagner plus de sous, je pense. Plus 10 production de ville et plus 6 énergie, moins 48. Ouais. Ouais. Certes, nous en gagnons un peu. Plus 1 de science, ça c'est bien. L'éclipse de Markov. L'éclipse de Markov. Est-ce que ce serait pas en lien avec les quêtes? Ouais, je peux pas le savoir, en fait. Je peux pas trop le savoir. Explorateur de l'Union africaine. Ni extraterrestre, oui. Ici... Ta-ta-ta. Hop. Xénopépinière, ça fait plus de science. On va en faire. Réseau, ça fait plus de science. Ok. On a piqué de l'argent. Mais il a été tué!
Ouh, ça rigole pas. Moi aussi, j'ai perdu un agent, quoi. Bon, il m'a fait gagner de l'argent, mais j'ai perdu un agent. C'est chaud, ça. C'est tendu. Mes contre-espions ont tué l'un de vos agents. Pourquoi lancez-vous des opérations secrètes en mairie? Sachez que je regrette profondément cette situation. Cela ne se reproduira pas. Et ouais. Oh oh. Mon explorateur, là. Aïe. Il a résisté deux extraterrestres. Et non. Bon, bah, il aura pas fait long feu. J'aurais exploré un petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Dommage. La population de Ashra a augmenté. Archa, pardon. Pas Ashra, Archa. Alors, justement, quand on parle du loup, qu'est-ce qu'on pourrait construire sans information? Du coup, on va enfin pouvoir faire notre route commerciale, là. Voilà. Yep. Ça va m'aider à développer la ville, ça. C'est marrant, il y a toujours des petites zones. Là, vous voyez, ça fait comme un canal, un tunnel qui ne m'appartient pas. C'est quand même bizarre. Sphère de drone, ok, ça je sais parce que je pouvais le faire. Donc c'est une merveille de base. Alors, plus 6 énergie partout, plus 6 science. Yep, je confirme. J'ai besoin de ça. Énergie et science, j'ai besoin. Le niveau de conspiration à Asraya a augmenté. Ouais, mais pour l'instant, on va rester là-dessus. Javed a gagné de la production grâce à la déforestation. On rase toutes ces plantes bizarres. Alors, transgénèse. C'est de la chimie, c'est un outil. Un outil à l'utilité qu'on lui donne. Ok. Alors, j'ai fait un truc pour la transcendance. Mais on s'en fiche, on fait pas la transcendance, nous. On fait l'émancipation. Donc l'émancipation a toujours porte de l'émancipation, mais on peut pas la faire. Il nous faut de la suprématie. Donc c'est pour ça. Maintenant, on fait la protogénétique. Dans 11 tours, on aura de la suprématie. Tour suivant. Salut. Allez, j'accepte. Moi, je fournis à tout le monde, quoi. De l'aéroche, etc. à tout le monde. Mais les autres, ils produisent pas beaucoup, en fait. Hein. Alors, Asraya. J'ai des choses de nouvelles. Sino Seigneur. Là, ça, je suis en train de le faire ailleurs. Donc ça, je peux pas le faire. Projet précog, je suis en train de le faire. Donc je peux pas le refaire. Force génétique. Ah, santé plus 3. Ça, c'est bien. Ça aussi. Voilà, santé plus 3, ça c'est bon, ça. À chaque fois, santé plus 3, ça va booster enfin la mauvaise santé de mon empire. Impeccable. Alors, toi, t'as fini. Du coup, est-ce qu'ici, on peut acheter... Ouais. Ça coûte que dalle, on va acheter, hein. Hop. Ça coûte vraiment rien, hein. Là, ça sert pas à grand chose d'acheter. Je peux acheter. Oui. Voilà. Retour à la carte. Comme ça, tu vas aller directement virer les miasmes. Et après, on construira tout ce qu'il faut construire. Ici, on va faire un enclos. Là, c'est impeccable. On a terminé ce qui nous rajoutait de la science. Et j'ai recruté un agent. Alors, un agent qu'on va mettre à Asraya. Eh ouais, parce que... Centrale. Ah oui, d'accord. Ok. On va le mettre à Asraya. Hop. Pour un petit peu enrayer la montée des tensions là-bas. Si on peut tuer un espion ennemi, ça pourrait être pas mal, hein. Tiens, ça serait intéressant de regarder un petit peu dans l'espace, on va faire ça au prochain tour, pour savoir combien de temps reste
Enfin, il reste aux satellites que j'ai lancés précédemment. Parce que si vous vous rappelez, les satellites ont une durée de vie limitée. On peut pas les laisser voler pendant des siècles. Donc du coup, peut-être qu'il va falloir qu'on songe bientôt à les remplacer, je ne sais pas. Alors, il me semble qu'on en a là des satellites. Plateforme TechNet. 56 tours, il reste. Non, il reste 34. Ah, il reste 34 tours. Ok. Celle-ci. Il lui reste 46. Ce satellite LaserCom, 47. Et ici, voilà, dans l'eau, j'avais des troupes. Et il lui reste 35. Ok. Ah, et là aussi, j'avais des troupes. Oh, j'en avais envoyé pas mal, je m'en rappelais plus. 35. J'en avais envoyé beaucoup, ouais. J'en avais envoyé beaucoup. On est large. On a encore une trentaine de tours au minimum. Puis bon, pour l'instant, ça aura servi à rien. On va dire que ça aura été de la dissuasion. 8 tours avant la protogénétique. Excusez-moi, j'ai une information importante à vous communiquer. Ok, c'est cool. 2 niveaux de vétérance supplémentaires. Alors, ici maintenant, forge génétique. Décision de quête. Nos ingénieurs ont fini de construire la nouvelle usine de xénocarburant. Bientôt, notre peuple ne dépendra plus de ces dangereuses énergies fossiles venues du passé. Cette planète recèle de nombreuses manières d'alimenter notre ville en énergie, même si aucune n'est vraiment sûre. Quelle sera l'énergie du futur? Les miasmes? L'énergie passable mais abondante? Ou la puissante mais rare xénomasse? Gain immédiat de 1000 unités d'énergie, plus de xénomasse, énergie plus 3 et production plus 2. On va faire ça, hein. On va prendre sur le long terme. Ça c'est cool, du coup on n'est plus qu'à moins 14, ce qui est pas mal. Quête terminée, ok. Unité en attente d'ordre. Toi, tu vas faire... Donc c'est ça les puits de xénomasse, bah oui, je peux pas en faire partout. Cri de satellite. Non, on va faire ça. Du coup, bah tour suivant. Et je pensais qu'on avait de la... Ah oui, de la vétérance, je confonds. Je pensais aux améliorations, en fait. On continue le libre passage avec le Sud-Africain, enfin l'Union africaine. Ok. Excusez-moi, j'ai une... Alors, hop. Science volée, mais repérée. Choisir une mission, je continue à voler de la science. Dans 18 tours. Alors, forge génétique, on fait de la forge génétique partout. On a besoin d'améliorer notre santé. On a besoin. Dans un tour, cette ville va augmenter. Oh! Oh! Samatar Jababar peut de nouveau communiquer avec la Terre. Aïe, aïe, aïe. Ah, là, c'est inquiétant. Ça veut dire que il a fait quelque chose comme nous et qu'il est sur la même voie. Sauf que du coup, je ne sais pas... Est-ce qu'on peut voir les niveaux? Ah, il est niveau 10. Il est niveau 10. Lui, il doit 5 faveurs. Niveau 10, niveau 4 seulement. Niveau 4. Ah, je suis un peu en retard. 9 faveurs, elle me doit, elle. Est-ce que je peux lui demander marchandise? De la science. Un accord de coopération. Ressources stratégiques. Alliance. Dépenser des faveurs. Je peux pas... C'est totalement inaccessible. Non. Ok, donc ça c'est pas intéressant. J'essaye de voir, hein. Lui 5 faveurs et lui il est bon en... Purée, lui il est très fort même.
prudent, enthousiaste. Alors, libre passage. Alors, attendez. Hop. Ah, il peut pas me proposer de la science. Je gagne beaucoup plus de science. Hein. 241 par tour. Libre passage. Et en échange de la science, s'il te plaît. Pétrole. Phyraxite. Non, je m'en fiche. Je veux de la science. Et est-ce qu'on peut pas négocier directement avec l'Union africaine? J'ai plus de science qu'eux. Oh, ils ont des problèmes d'argent. Ça, c'est bon à savoir. Mais... Ouais. Score, j'ai le meilleur score pour l'instant. Largement même. Ah là là, il faut que je fasse de la science. Il faut que je fasse de la science. J'ai pas lu. Le niveau, voilà, de conspiration à Asraya a diminué. Ça, c'est cool. Bon. Je suis pas encore très à l'aise avec la diplomatie. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on se grouille. Parce que là, ça y est, on le sait maintenant, il y a d'autres civilisations qui sont en route sur la victoire. En tout cas, qui font la victoire. Comment ? La manière la plus simple de remporter la partie, j'ai eu peur. C'est d'en écrire les règles. Vous avez découvert une nouvelle technologie. Donc, Académie, ok, et on a l'affinité. Je rêve d'un jour où nos enveloppes mortelles pourront se tenir fièrement sous les cieux de n'importe quelle planète, sans peur ni regret. Ok, suprématie niveau 10. Et pourquoi on est arrivé là? Alors, amélioration. Pour nos missiles. Unité blessée ou unité alliée? On va prendre unité blessée. Ah, ça c'est cool. Alors, 15% nanana, ou 30%. On va prendre 30% défense parce qu'on se faisait poutrer. Ok, prochaine unité qui s'améliore, ce sont nos chasseurs tactiques. Ok, ça c'est cool. On va choisir une mission, on va siphonner. Extraire l'argent, très facile. Mission de quête. Attendez. Science volée, agent repéré. Ok, ça c'est cool. Alors... Une transmission codée est arrivée. On peut y lire. Nous soupçonnons l'un de nos frères à Krabrosk d'avoir été repéré alors qu'il volait des données scientifiques. Il a besoin d'une extraction immédiate. Localisez-le, vous recevrez bientôt plus d'instructions. Bah écoute, on va le faire. Ça, c'est une quête. Donc du coup, on va l'extraire. Pendant 3 tours. Ok. Choix d'une technologie. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? Il nous faut, dans 18 tours, qu'est-ce que ça nous donne ? Ruche humaine, la ville est immunisée contre les opérations secrètes. Attends, c'est pas mal ça. Suprématie 18 tours. Ça nous donne des nines. Ah, on va prendre ça. Pour avoir plus de sous, on est à moins 10 là donc. Oh, par contre, ah oui, c'est long en fait. Ah ouais. Est-ce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a de la suprématie qu'on pourrait gagner plus vite? Là, 18 tours. Constructeur orbital. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est long. 14, 18. Allez, on va prendre 18 parce que j'aimerais... What? Non, je m'en fous de ça. Je veux ça. 18 tours. Voilà, et après, on fera la biométallurgie, je pense. Voilà, 18 tours. Ça, c'est bon. Allez, on passe le tour. Ok. Ça m'a fait peur quand on a été TP sur cette ville. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait un truc super important. Ils ont gagné un élément qui leur servira pour la victoire finale. Je me suis posé des questions, mais non. C'était juste pour la mission de quête, pour extraire James Bond de la ville. Toi, tu vas régène aussi. Toi, tu vas aller là. Il y a une petite case qui n'est pas encore exploitée. Choisir une construction. Forge génétique 20 tours. Santé, on est toujours à 15 dans le négatif. J'ai l'impression de faire des trucs pour améliorer la santé et que ça marche pas.
Ah, et regardez un peu nos unités comme elles sont belles. Ça, c'est la classe. Ah, elles sont très très belles. J'aime beaucoup le design des Venga, unités volvamos suprématie. matricos. Est-ce que tu peux pas me donner de la science, nom d'une pipe? Non, je peux pas lui donner de libre passage. Alliance. Si le joueur entre en conflit, l'autre déclarera un accord de coopération. Mais je sais pas comment on fait pour faire un accord de coopération. Un accord de coopération. Comment on fait? Je sais pas. Ça, il faudrait que j'étudie le truc. Bon, en tout cas, nos unités sont super belles. Et je pense, les amis, que c'est sur cette fin de... Enfin, ce début de tour, plus exactement, que nous allons nous laisser. Décision de quête. Et bah écoutez, on verra ça dans l'épisode prochain. Et oui, suspense, gros suspense sur la quête. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!